du deuxième lundi de janvier 2017 au deuxième lundi de janvier 2023. Compatriotes, camarades et alliés politiques du sénateur, permettez en un laps de temps que je vous fasse état du passage du sénateur Wanik, qui le rend différent des anciens sénateurs de notre département. De cette considération, le mandat d'un représentant de la société se tourne autour des trois axes principaux, savoir, premièrement, parler voter, c'est-à-dire faire la loi. Ce qu'il faut retenir de cette question de faire la loi, il faut comprendre que faire la loi ne veut pas dire tout simplement faire des propositions de loi ou écrire des textes de loi. C'est surtout et aussi de participer dans l'ajustement, j'ai bien dit, l'ajustement et la révision des lois en rapport à la réalité sociale existante. Corriger et voter les projets de loi soumis par le gouvernement au Parlement. Examiner les lois et les activités du fonctionnement des affaires du pays dans les commissions. En deuxième lieu, contrôler les actions du gouvernement afin d'éviter les désordres, le gaspillage, la dilapidation des biens publics par l'équipe au pouvoir dans leur intérêt privé. Ainsi, les représentants de la société convoquent, invoquent et interpellent les membres du gouvernement en vue des explications, des pressions et des votes de censure au cas où. Les actes du gouvernement sont massés et porteurs de désespoir. Ils agissent ainsi à travers les commissions, tout en tenant compte des dispositions du gouvernement et des lois en vigueur. Ils accordent ensuite au nom du gouvernement des dispositions légales pour agir et faciliter ces actions, ainsi que le fonctionnement normal des institutions du pays. En troisième lieu, entreprendre des démarches visant à récompenser les alliés et amis politiques et aussi à poser des actions sociales concrètes dans la perspective du développement social et humanitaire dans leur zone de proximité. C'est l'aspect social du mandat des représentants de la nation au Parlement du Congo. Certes, ce troisième aspect ne figure pas dans la constitution du pays, mais il paraît avoir le dessus sur les autres jusqu'à la sortie du pouvoir occupé par les parlementaires sortants. Ne se trouve pas coincé par les questions de l'élément de quelle mission a-t-il fait partie. De quelle loi a-t-il participé dans ces ajustements? Quelle attitude a-t-il adopté aux différents budgets et été soumis à l'appréciation du Parlement? Comment a-t-il contrôlé les actes de tel ou de tel ministère? Cependant, il fait toujours l'objet de nombreuses critiques sur son bilan, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel. En effet, membre de la famille politique du sénateur, élu aux élections de fin d'année de 2016, vous êtes entré en fonction le deuxième lundi de janvier 2017, le sénateur Wanik Pierre, dans cette tentative de la réalisation de sa mission de mandat, a fait montre de leader compétent. C'est-à-dire un linéaire réunissant à la fois la qualification, la performance et la moralité dans l'exercice de sa mission au Parlement haïtien. Car l'homme compétent dit l'autre, chacun à la fois la qualification, la performance et la moralité. D'ailleurs, c'est en ce sens que Kabil peut attirer avec raison. L'homme d'esprit, sans moralité, peut mettre en jeu un grand péril, non
pas sa civilisation matérielle, mais aussi et surtout sa civilisation spirituelle. Ainsi, quand nous sommes le temps de la République, Walid a été à plusieurs reprises secrétaire de bureau, président et membre des commissions. Il était toujours actif, consistant, ami fidèle et loyal du président Jovenel jusqu'à son assassinat de la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Contrairement à d'autres personnalités politiques du département qui le faisaient passer pour un chef de gang, le plus promoteur de la nation. Imaginez par exemple qu'il serait le ancien sénateur du département du OS déclarait que le feu président Jovenel a eu un père double gang à tout du Nord et un maire du même département. Lors d'une rencontre au palais national, rétorquant les propos du président en disant « Vous êtes menteur ». Depuis lors, cette punaise déclaration, poursuit le président à tort et à travers. Menti ou après, il est menteur dès le coup de balle. On ne peut rien faire avec lui. Camarades et alliés politiques, les sénateurs Wawal n'a pas machiné son nom de sénateur pour chercher à satisfaire ses retours et ses sacrés politiques à travers des travaux de facture et la création de droits dans tous les domaines des affaires du pays. Il a été respectueux envers tous ses retours, même en face de repris et du respect à proférer à son compte. Il a été toujours calme, serré et loyal envers tous ses retours, alliés, amis politiques et proches, et même ses détracteurs. Disons le terme clair et précis de cette tentative pour réaliser pleinement son mandat envers ses retours et ses alliés politiques. Il a continué et a participé pleinement de l'ouverture et de l'aménagement des tronçons de route de plusieurs communes du département. La construction de plusieurs écoles nationales et troisième cycle fondamentale. La construction de plusieurs PDS de plusieurs communes du département. À l'électrification de certaines communes. La construction des barrages et des cimetières de plusieurs communes du département. Il a contribué également à la construction des places publiques, à la réhabilitation de certaines institutions, à la construction des parcs de jeux, réalisation de certaines transformations de certaines communes du département, à la contribution des matériels agricoles au grand air dans plusieurs communes du département. Il a continué à participer pleinement également dans les plantations de certains bureaux dans certaines communes du département, telles l'ONA, l'immigration et le ministère du Commerce. Il a contribué ensuite à la construction du barrage, le Marimont, et construction du canal d'irrigation reliant la rivière Massac et la plaine de Marie-Barreau. Chose la plus étonnante, la plus importante, ce garçon, Wawa, le sénateur Walid Pierre, il a contribué et participé à l'intégration de plus de 100 professionnels dans le secteur sanitaire. Il a participé et contribué dans la nomination de plus de 350 militants de la douane. Plus de 250 professionnels en éducation, plus de 200 militants au niveau de la société. Il a participé et contribué au pèlerinage de certaines rues, de certaines communes du département. Il a participé et contribué et même à accompagner les représentants des collectivités territoriales dans leur réalisation. Il a également contribué et participé. Il a accompagné et, si vous voulez,
nombreuses équipes de football dans le chef. Donc, dans les jeunes du foot. Chers amis, compatriotes, la vie politique du sénateur, voilà l'homme dont nous avons caressé tous ses projets et sa vision politique avant ces élections au Sénat en 2016. Membre de la famille politique du sénateur Wawa, quoique son mandat parlementaire fût l'objet de l'héritage du pouvoir kidnappé, logué, amoindri, barricadé et assassiné, Wawa a eu un passage parlementaire au pair, en or et sans égal. C'est pourquoi, en cette journée répétive de remerciements et commémorative destinée à son noble personne, nous tenons à le féliciter pour son passage parlementaire acceptable, réussi et bon. Ensuite, nous le remercions pour ses efforts et ses sacrifices consentis qui ont permis à notre département de bénéficier des infrastructures routières, éducatives, sanitaires et agricoles. Oui, à de nombreuses familles pouvant bénéficier également d'un emploi ou un contrat très bénéfique dans leur évolution économique et sociale ainsi que leur stabilité sociale et familiale. Donc, tout ceci nous invite à déclarer que sénateur Wali, votre passage au niveau du Sénat haïtien est un passage accepté et bon. Par conséquent, chers sénateurs, nous décidons de vous assurer que nous sommes prêts à vous accompagner de la bataille pour un deuxième mandat sénatorial aux prochaines joutes électorales. Déjà, nous crions haut et fort qu'avec sénateur Wanik, vive une Haïti nouvelle, vive le développement du département du Nord-Est, vive la politique. Merci.